Bienvenue dans ce making of! J'ai pris une super grande inspiration avec le poche. Mais elle a juste rien dit. Elle était juste là en fait. On l'a fait. Ok, go! 2, 3. Bienvenue dans ce making of! Tu sais quand je finis tout seul? C'est bien tout ce que je veux, tu peux dire. Bienvenue dans ce making of. Bienvenido. 3. Bienvenue dans ce making of. Oui, donc notre expérience. Moi j'ai trouvé que c'était une expérience enrichissante. Du fait que c'était la première fois que je faisais un. Que je participais dans un court-métrage auquel j'avais pas participé au scénario. Ouh. Donc c'était une expérience nouvelle. Ouh. Pertinente et constructive. Ouh. Moi j'étais contente d'aider mon amie Marjorie. Ça m'a permis d'être à nouveau avec les lettres. Non, j'aimais ça pour vrai, Marjorie, que tu me demandes. J'étais contente de pouvoir continuer à faire des projets avec les autres. Ça me manquait. T'sais. Next question! Comment est ton personnage? Donc, Charlie est une jeune fille. Je suis une jeune fille! Charlie est une jeune fille perturbée par la vie, qu'elle a été battue par son père lorsqu'elle était plus jeune. Non? Non. Je me suis trompée? Ouais. Tu sais quand Camille comprend pas son personnage? Non. Non, mais elle est perdue dans la vie. Et on se rend compte que son frère s'est suicidé lors de cette rencontre. On se rend compte. Je parle des téléspectateurs parce qu'il y a des flashbacks. Des moments où on apprend que son frère s'est suicidé. Et c'est à ce moment qu'on comprend pourquoi Charlie est aussi triste dans son cœur. Puis là, j'arrive puis je vais le partir dans sa vie. C'est truc. Pourquoi vous ne parleriez pas de la fois qu'on a dévissé? Ah, c'est là qu'il faut parler. Ben, c'était le fun. Annie avait full peur, fait que c'est tout le temps moi qui allais en premier. Puis après ça, je la poussais puis elle se faisait toujours plus mal que moi. Oh, c'était violent, hein? J'aimerais ça qu'on remette le bout que Camille est tombé. Non, il tombe! Puis c'était le fun. Ça m'a dit tomber puis c'était glissant. Fait que je me suis arrangée pour glisser, mais ça a vraiment fait mal. J'ai un bleu. Le glisser, c'était vraiment drôle. C'est tout. Non, mais c'est vrai que c'était fun, c'était joyeux, puis c'était drôle, puis on avait toujours très peur de briser la caméra. Ouais. Parce que, tu sais, avec la caméra, pour prendre des points de vue interdépendants que Marjorie n'a pas mis dans son film. Donc, on a risqué nos vies ouais. Et la vie d'une pauvre créature électronique pour rien. Inutilement. That's pour rien. Inutilement. Pour rien. Ma pire expérience dans ce tournage, c'est la première scène. Oui, c'est exactement cette scène-là. C'est la première scène qu'on a tournée. On s'est levé trop tôt. Je me suis levée beaucoup trop tôt pour mon âme de fille sensible. Marjo, elle aimait pas les enfants, puis moi, je me sentais mal. Ok, non, la vraie raison, c'est qu'on est arrivé trop tôt. Que Camille et moi, on n'avait pas appris nos répliques. Donc, on les apprenait sur le tas entre trois scènes. Appris, exactement. Moi qui pensais être unique. Le persécuteur! En fait, tout le reste de la scène est une difficulté. Parce que vous savez mais c'est quand même bon. Non, mais avoue que c'est quand même pas bien. Bon, oui, je veux dire, j'ai l'air clairement perturbé par sa présence. Je m'appelle Chris. Dis-la ta réplique. Dis-la! Puis j'ai l'air clairement. Le malaise est là, parce que... Je suis tout le temps dans le foie. Faut qu'il y ait un malaise, puis il y a un malaise, fait que c'est ça qui est cool. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive, je pense? Ok, on commence. Mes parents voudraient que j'aille dans une université, une de ces universités parfaites. Dans un chose, bitch. Ça marche pas, t'as pas de la c'est pas grave. On va arrêter là. Camille et moi, et le popcorn. Échec. Quoi?
Ouais. Ça a été vraiment difficile en réalité que je lui lance ce pop-corn-là dans la bouche parce que je sais pas viser, puis Camille s'est visiblement pas attrapé à pop-corn. Ben là, avec ta peau, j'ai cassé la pire team de pop-corn ever, je pense. C'était la pire team de pop-corn ever. T'étais pas comme moi, tu m'as noyé, je suis pas contre, je l'attrape, là, tu sais. Mais tu bouges ta tête! Où est-ce qu'il fallait que tu lances le popcorn dans les airs, puis Camille n'a pas l'air de réagir, qu'on a visiblement pas mis dans le court-métrage parce que c'est poché, parce que justement Camille. Oh, Scadon! Camille a réagi. Oh, c'est la M Scadon! Donc le popcorn qui a volé, ça ressemble. C'est pour trouver dans le court-métrage. La deuxième fois, on l'avait eu! Oui, mais le popcorn avait fait. Mais ça avait été beaucoup trop difficile. Mais non, mais comment tu voulais. Il a ramassé le popcorn après, c'était le fun. Comment tu voulais que je. Oh! Comment tu voulais que je rive pas? Camille était vraiment très violence, je sais pas parler. C'est sûr qu'elle a l'air mignonne comme ça, mais Camille est violente. Oui, Camille est violente. Je t'ai assez de maths! Ok! Attends, je vais faire un point de vue subjectif. Je peux pas tourner une seule scène sans qu'elle finisse par me pousser, me frapper, me mordre, ou me donner un horrible coup de pied dans le... Tu m'as donné un horrible coup de pied dans le... On l'a sur vidéo, ma belle. Well, let's see about oui. that, shall we? Comme... Ok. Cool! Non, mais je suis pas si violente que ça. Je veux dire, c'est tout en moi qui tombe en neige. Je sais pas qu'il y a des scènes, mais c'est tout en moi qui tombe en neige. Je vois, c'est vrai que Camille, c'est une cascadeuse. Oui, mais pourquoi qu'elle tombe? Parce qu'elle est maladroite et violente. Bats-toi, défends-toi! Je sais pas, là, mettons Ginette, c'est trouver un petit emploi d'emploi pour ramasser de l'argent. C'était quoi l'emploi? Puis il dit, oh, il vendait des plots Tupperware. Puis j'ai dit, ah ouais, il vendait des plots Tupperware! 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 Annie, elle aime pas mon chien. Il est gros! Oh, non, il est vraiment gros! Tu bouges tes oreilles! Tu pourrais parler de la fois où est-ce qu'elle était venue faire une scène qui n'était pas capable. Quelle scène? Elle, dans la cafétéria. J'ai été capable. Pour pas que tu me dises « ris pas! » Je vais rire! Hey, surtout qu'il fallait que j'aille l'air un peu trop dépressée puis qu'elle me prenait un gros plan comme ça. La pression me disait « Charlie, Charlie! » Ça va? Oui! Parce que c'était vraiment trop drôle! Non, mais c'était pas correct, j'ai un chavis de rire, moi! Non, t'es... Non, allez, vas-y! Et là, je me sens mal, vas-y. Charlie! Je suis sur la Walden, hein? C'était comme un film avec Pascal Kelly. Walden, hein? Walden, hein? Ben, je l'ai dit, moi, Pascal, on s'entend tellement entre les jumeaux. C'était pas un film avec Pascal, c'était très drôle.
Il était bon pour vrai, là, ça m'a surpris. Non, c'est pas vrai. Non, mais pas vrai. Moi, je pensais pas qu'elle allait être comme prendre son sérieux comme ça. Là, je l'ai pas trouvé bon. Merci. Il y a pas de quoi. Je suis pas gay. Merci. Il y a pas de quoi. Si je t'avais si je fais ça demain. Là, tu dis bon. Surtout qu'il se fait frapper dans le corps avec violence. En parlant de la fois où il se fait frapper dans le corps, c'est vraiment drôle parce qu'en réalité, Camille dit des choses vraiment sérieuses. Ouais, pis tout le monde à chaque fois, c'est comme. Personne écoute ce qu'il a dit au moment où il se fait rentrer dans le corps parce que tout le monde est comme. Mais c'est comme un des moments les plus importants de l'histoire. Pis finalement, on oublie de savoir qu'il était vieux. Plus tard, nous avons appris que des rumeurs circulaient sur mon frère sur le fait qu'il était gay. Puis tout le monde rit, mais je veux dire, c'est de l'intimidation, de la violence. Mais le monde rit parce que ça les touche. C'est surprenant, là. Ouais. Ils savent pas comment réagir. Mais oui, ils savent pas comment réagir. Ouais. C'était plus surprenant parce qu'ils reçoivent une case en face. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que c'est surprenant. Tu t'y attends pas vraiment. Tu fais comme. Pascal, on dirait qu'il se fait démancher la face totalement, là. Tu comprends pas pourquoi il est correct encore. Ça serait le fun que vous nous parliez de la fois qu'on a filmé à 11h. On n'a jamais parlé de filmer à 11h. On a filmé à 11h. Quelle heure? 11h. 11h. Patate! Patate, c'est mon nom! Mais il était déjà trop tard. Ok, comment là, tu dis pas rester mort? Ouais, je me mets là. Es-tu malade mentale? La scène où on a filmé de soir, c'était vraiment difficile à garder notre sérieux, surtout qu'on avait une invitée supplémentaire. Myriam! Et vu qu'elle participait pas au projet, ça lui dérangeait vraiment pas qu'on aille reprendre les scènes 40 000 fois parce qu'elle faisait des jokes et des petites faces creepy en arrière de nous. Elle faisait pas ça? Oui. Ah oh, ouais? Moi, elle me faisait des petites faces creepy. Ah, oh, mais elle trouvait ça drôle, mais c'était vraiment dur. On était fatigués, on avait pris des bubons. Des bubons! On était remplis de bubons. Ok. Il était 11h le soir, on était super fatigués, on avait pris des bonbons surette, on était fatigués, on avait pris des bonbons surette, puis Marjo, elle n'était pas dire « Ah ouais, on fait! » On avait du popcorn dans l'œil. J'avais pas de popcorn dans l'œil. Mais oui, il y avait même pas de popcorn dans l'œil. Mais oui, mais entre popcorn, j'avais un seal. J'avais un seal dans mon œil. Dans cet œil-là, en fait. J'avais un seal dans cet œil-là. Et je trouvais ça vraiment difficile de continuer à jouer et à garder mon sérieux. Ah, les parce caprices, que ça faisait mal à chaque fois que je clignais des yeux. T'étais vraiment proche de lui. Ah! Est-ce que tu le vois à la caméra? Mon œil. On a le cancer de l'œil, c'est à cause de la toxicité du bonbon. Ça m'étonnerait même pas que c'est le bonbon qui m'ait donné ça. Ok, come on! Ok, ça fume depuis tantôt, là. Ah, mais ça fait fou le mal. Vraiment difficile de filmer, on avait vraiment de la misère, mais en plus c'était une scène super triste. En réalité, mais le problème. Oui, c'est une scène attends, on va dire le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Marjo a oublié qu'on avait cette scène-là à tourner. Oui, c'est vrai. Comme ça, si elle s'en aurait rappelé, on l'aurait filmé la fois d'avant. On si aurait elle s'en avait rappelé, excuse. Ben là, Marjo, je veux que ton making-of soit francisément correct. La vie du plus bon. Dommage! C'était la seule personne qui me comprenait, qui m'aimait comme j'étais. Jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait par quoi ton œil? Oh my god! C'est vraiment pas drôle, ok? Ton œil est quasiment intact, Annie. Tu le sais quoi s'il est intact? J'ai de la peine en dedans de lui, ok? Tu commences? Oui! Une demi-heure que c'est commencé. Attendre qu'on fasse quelque chose de stupide. Ok. C'est parfait. Merci, Marjo. Ouais, merci. En tout cas, hein, on t'aime. Moi, tu sais, je t'aime, Marjo. Je suis fondée. Rien, touche à rien, touche à rien, touche à rien. Touche à rien, quand même. C'est vraiment chiant parce que je suis sûre en plus que les parents de Charlie, là, ils inviteront jamais Chris à souper. C'est vrai, toi, t'as dit ça? Chris! Chris!
parce que je, parce que je disparais comme ça sur la... C'était pas correct. Prends la carte là là. Ok. Il s'en rend peut-être pas compte. En fait, on le sait qu'elle s'en rend pas compte parce que c'est juste que Camille est expressive, est excentrique, puis elle bouge beaucoup. Puis souvent, ses mains sont souvent sur les autres, comme ça. Je sais que tu l'aimes plus que moi, puis t'aimerais savoir Annie puis Guilbeau comme enfant. Moi puis mon frère, on va aller se déguiser en ours, puis on va danser sur les brasiers. Mais elle sait pas qu'elle est violente, elle est jamais au courant qu'elle bouge, puis elle sait pas du tout, puis elle veut pas nous faire mal, elle fait pas exprès de nous frapper dans le fond, mais ça l'arrive, par accident, comme ça, là. Puis c'est ça, ça l'arrive aussi avec ses pieds, sur moi. Salut! Deux charrières! Oh my god, ouais. Ça, avec toi, là. T'imagines les mêmes scènes, on se lance du popcorn puis on se crève en l'air, je me tout nu. Camille est comme une corporation. Jusqu'à là. En plus, oh my god. C'est vraiment bizarre. C'est resté plein de tables, Camille.